pas mal d'illettrés. Mais ça n'est pas un handicap, puisque la chanson... D'une part, la chanson s'adresse à des gens qui ne demandent pas un a priori, enfin, de culture littéraire ou musicale. Ils n'ont pas besoin de connaître Stravinsky ou Schoenberg ou Alban Berg pour comprendre la chanson. Donc, et puis, ensuite, des producteurs qui, eux aussi, veulent frapper bas. Il y a un a priori comme ça, de bassesse, de cheap. On se dit, c'est cheap, ça va marcher. Au lieu d'être un peu élitiste, rigoriste. Pas élitiste, dirons-nous. Rigoriste. Alors, tu comprends, Coco, ça c'est de la merde, mais il pense dans sa tête. Dixit dans sa tête, le producteur. C'est de la merde, mais ça va frapper. Ça, alors là, ça me perturbe beaucoup. J'ai toujours été. Donc, il y a eu deux parallèles, dans ma vie, sur ce que faisaient les mecs comme Brassens ou Vian, ou les Amerlocs, ou les British, et puis certains nullards VO sous-titré, version française, pseudo-rockeur.